bongo te na balandinyo so ya Africa Cool Television bino o bazuli bozuli baku ya kolanda biso na mokolo na lelo na ba to sing na ba o bazana na ba abonné te bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne biso bo continuer ko aimer ba vidéo na biso toza lelo le 1er février 2020 jour pour jour 3 ans depuis que le fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba obiso so toyebi président fondateur biso so toyebi président fondateur ya UDPS parti oyo lelo ezana pouvoir oyo mwana na lelo azana pouvoir nde na boye toza awa en direct ya mozole na kata commune en célébrant na ko célébrer 3 ans depuis kazana mabele ndenge bozomo na population na simalangai cérémonie ezo banda par une messe oyo eko salama na monseigneur Gérard Mulumba président ya maison civile ya chef de l'état toujours signaler présence ya président de la république pe famille biologique nyonso ya fait Étienne Tshisekedi wa Mulumba tozana ba diaspora ba célébra ba tebele o ba uti na ba poto ba ye juste kaka pona ko célébrer 3 ans oyo ya papa Étienne Tshisekedi wa Mulumba Zali, synergie des forces vives de la nation. Synergie et lingio loba et que ba peuple nyonso et à la ba parti politique et à la société civile et à la paix ba confession religieuse nenge to sangani awa pona ko sa la pétition yeye. Pétition pour l'élévation et l'octroi du statut de héros national au grand patriarche docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous, peuple congolais, réunis à l'occasion de la célébration du 3e anniversaire de la mort du grand patriarche, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, en reconnaissance de son combat héroïque mené pendant près de 4 décennies pour l'avènement d'un Congo véritablement démocratique, un état de droit respectueux de la dignité du peuple congolais, conscient de son sens élevé de patriotisme, de son dévouement pour l'intérêt général du peuple congolais, contenu dans la philosophie du peuple d'abord et dans la ligne glorieuse de l'Indien Indira Gandhi, de l'Américain Martin Luther King, du Sud-Africain Desmond Tutu, du Sud-Africain Nelson Mandela, du Congolais Musée Laurent Désiré Kabila, du Congolais Patrice Emery Lumumba et enfin du Congolais le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Nous réclamons haut et fort que ces derniers, ce rare digne fils de la République démocratique du Congo, soit élevé au rang sublime de héros national. Fait à Kinshasa le 1er février 2020 pour les pétitionnaires, la synergie force vive de la nation, Madame Véronique Tshala. Kotanga lelo na Lingala awa tozali na mozole ya grand patriarche docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba ona ko kanisa liwa na ye yango to uti kotanga petition ona ko senga ete na kombo ya ba congolais nyonso to lingi to senga ete le grand patriarche docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba batombola ye na molongo ya ba héros national akoma héros national lokola musée Désiré Kabila akoma héros national lokola Patrice Emery Lumumba et que le grand patriarche pe akota na molongo wana ya batoyo ya minene lokola ba Nelson Mandela lokola ba Martin Luther King lokola ba Indira Gandhi lokola ba Desmond Tutu yango wana nde ezali molongo oyo ya tata oya biso Étienne Tshisekedi pona mosala oya monene asali pona peuple congolais. Mais là, il y a un peu de temps.
compris qu'il ne pourra plus tolérer ou accepter que quelqu'un prenne le pouvoir par les armes dans ce pays. C'est ainsi que nous pouvons dire que notre Dieu, le même Dieu-là, nous lui demandons, nous l'implorons qu'il puisse nous aider chaque jour à conserver ce cadeau qu'il nous a donné et que nous puissions chacun de nous l'aider effectivement à accomplir sa bénédiction sur notre pays et aussi sur notre président. Je vous remercie. L'UDPS et la famille biologique de feu Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba a convié ce samedi 1er février 2020 le peuple congolais, les militants et les nombreux combattants du parti à prendre part à un culte d'action des grâces au mausolée de l'illustre disparu. C'était à l'occasion du 3e anniversaire de la disparition du père de la démocratie à Bruxelles. Les couples présidentiels a daigné se joindre au triste événement pour rendre hommage mérité au fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, fille aînée de l'opposition congolaise. Aussitôt sur les sites, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont déposé une gerbe de fleurs devant le caveau. Prenant la parole, Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, a circonscrit l'événement qualifiant Étienne Tshisekedi d'une bénédiction pour la RDC car il avait sacrifié sa vie pour le bonheur des autres. Excellent moment de recueillement en mémoire d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba qui a quitté le monde des hommes il y a 3 ans. Ce qui a fait dire à l'officiant du culte eucharistique, Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile et jeune frère du patriarche, que Dieu essuiera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de mort. Déclaration faite en présence de maman Marthe Kassalou, veuve de Étienne Tshisekedi, du docteur honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État et des représentants des institutions du pays. Pour Monseigneur Gérard Mulumba, la vie du fondateur de l'UDPS a été calquée sur le modèle de Jésus-Christ. À son tour, le président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a fait observer une minute de silence et a loué le parcours remarquable et exceptionnel avant d'appeler tous les sympathisants à l'unité et à poursuivre l'idéal d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba.